Mon nom sanskrit est Ramaya, je suis diplômé chakra plus 4 et j'organise des stages spirituels dans le désert, bénévolement à 6000 francs. On va s'arrêter ici. Ceci est le camp énergétique du groupe. C'est un pôle d'attraction lunaire. Quand même, c'est tout sale, il y a des poubelles. Oui, alors ça c'est superficiel, c'est matériel. Ah. Nous, ce que nous allons faire, les poubelles, nous allons les jeter dans d'autres poubelles. D'accord. Qui sont à un côté. Alors, Gwenolé, c'est très bien. Tu veux que je les balance, les poubelles? Ça serait bien que tu allais jeter à... Je les balance, les poubelles. Oui, balance, va. Tu peux aller à 500 mètres plus loin. Vas-y, cours. Vas-y, Gwenolé, cours. Cours, c'est bien, cours. C'est bien, oui, c'est bien. Ramaya. Bien, Rashminka à tous, moi je m'appelle Gilles André. Rashminka, Gilles André. Oui, enfin, j'ai une petite requête quand même. J'aimerais que pendant ces 3 jours de stage, on m'appelle par mon prénom tibétain Yatoub. Si ça ne dérange pas le groupe, hein, bien évidemment. Rashminka, Yatoub. Merci, je vous présente ma femme Christine, mais elle c'est pareil, elle aimerait bien qu'on l'appelle Camou. Rashminka, Camou. Non, parce qu'avec ma femme, nous revenons d'un stage de méditation en Thaïlande. Oh, je suis revenu vraiment avec les chakras bloqués, c'était terrible, surtout que... Bien, première phase spirituelle, hein, important pour toi Gilles André. Oui. Ferme ta gueule. Ah oui, je bonjour. Je m'appelle Daisy. Rashminka Daisy. Merci. Daisy. Parle, n'aie pas peur. Je suis institutrice. Bien. Et je sors d'une dépression. Pardon. Je ne m'aime pas. Oui. Je n'aime pas mon corps. C'est normal. Laisse-toi aller, vas-y, vide ton sac, expire ton toit, laisse aller ton tu et déshabille ton toutou. Je ne m'aime pas du tout. Je pue. Rashminka, je m'appelle Gwenolé Stickler. Rashminka Gwenolé Stickler. Je suis ancien para, hein, et je suis ici pour réapprendre à vivre en société, hein, et aider, rire, chanter dans une harmonie totale. C'est une bonne quête. Toutefois, s'il y en a un qui aurait dans l'idée de me le foutre dans le cul, je le préviens tout de suite, j'ai un 38 dans mon sac. 6 coups, balle de guerre, perforation à 400 mètres, 50 victoires, aucune défaite. Putain, des questions? Maintenant, chapeau de blaireau, présente-toi. Bon, ben bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre. Rashminka Jean-Pierre. Je voulais m'inscrire au club à Agadir, seulement c'était complet. Alors je me suis dit, j'ai vu marquer stage du désert, je m'inscris, il y aura peut-être des gonzesses. Ben, je me rattraperai sur la bouffe. Hein. Tu as raison, nous allons manger. Nous allons nous goinfrer. Oui, nous goinfrer. Spirituellement. Il marre à l'animateur. Très bien. Et toi, Gwenolé, il est bon ce sandwich? Il n'a pas de goût. Tiens, mets un petit peu de sauce. Voilà, bien. Et toi, Jean-Pierre, il est bon ce sandwich? Ah ouais, tu es moi l'imaginaire, hein. Je vous ai tous observés. Vous êtes tous malades. Je dois tous vous tuer. Spirituellement. Je te tue, tu me tues par la barbichette salope. Le premier de nous deux qui mourra sera un squelette. C'était très bien. Bien, maintenant nous allons passer à la deuxième phase. Nous allons faire ce qu'un médecin pourrait appeler une pipi-thérapie. Oui, ça je connais un petit peu. Oui. Tu connais? Ah bon? Oui. Bien, ferme ta gueule. Bien. Devant vous, il y a un bol de votre urine. Nous allons la boire. Spirituellement. Hein? Je ne m'aime pas! Je me trouve moche! Je marche comme un canard! Mais tu es peut-être un canard! Non, je ne veux pas être un canard! Mais qu'est-ce que je tu veux? Je veux qu'il me parle! Alors mets-toi en barge à bulles et dis-le-lui! Parle-moi! Maintenant, parle-lui! D'accord.
Finalement, ton seul problème à toi, c'est que tu es répugnante, hideuse. Oh. Tu n'es qu'un laidron dépressif. Ton corps est informe et ton visage inachevé. Il y a peu de chances que tu te fasses un mec un jour, salope. Oh. C'est vrai que ça fait un bien fou. Il a pas. Hein, salope. J'ai pas tout compris, l'exercice sur le néocortex. Oui, non, mais moi, je connais un petit peu, c'est parce que c'est une histoire d'équilibre intérieur, en Tiens fait. Donc. Oui, parce que le néocortex, parce que moi, je connais un petit peu. En tout cas, je me sens beaucoup mieux. Je crois qu'il médite. Alors, méditer. Oui, on médite. Mais c'est pas vrai, on peut même pas chier tranquille. Il est bizarre ce club, hein. Qu'est-ce que t'as Tu veux me le foutre dans le cul, c'est ça? Ouh, il est vraiment bizarre ce club, hein. Ça va, tu tombes bien? Oui, tout bien. À fait, oui. Maintenant, ton âme est dans la terre. Ah oui, d'accord. Tu es un vrai hamster. Tout à fait. Guy, je sens mes chakras se cristalliser, Guy. C'est très bien. Bien, écoute, moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire une chakra simiosa avec ta femme. Hein. D'accord, c'est délicieux. Oh, je revis. Oh là là. Oh, c'est... Dis donc, Guy, c'est pas pour te vexer, mais quand tu fais une chakra simiose, c'est un peu comme quand je fais tic-tic-tic avec ma femme. Ouais, ouvre tes chakras et ferme ta gueule. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce mec? En plus, il nous fait boire notre pisse. Oh oui, non, mais écoutez, non, ça peut pas continuer. 6 000 francs pour ça, c'est du vol. 6 000 francs la bouteille de pisse, j'espère que c'est du millésimé. Hein. Écoutez, non, on va lui parler. La transition du spirituel au réel est toujours une étape difficile pour les adeptes. Démonstration. Maintenant, je pense qu'il est venu le temps de payer le troisième tiers du stage spirituel. Hein, donc, je vous propose de faire un petit chèque. Je vais vous faire un petit chèque spirituel. Ah, non. Alors, maintenant, nous avons quitté le spirituel. Nous sommes dans le réel. Hein. Ah bon? Ah oui. Et dans le réel, il faut faire des chèques. Sinon, tout mon enseignement s'annule. C'est pour vous que je dis ça. Hein. Moi, en attendant, t'as qu'à boire un petit bol de pisse. Si, tu vas boire un petit bol de pisse. Hein, t'as intérêt à la boisson, je te la fous dans le cul. Écoutez, vous n'avez pas bien compris l'objectif de ce stage. Hein. Ah bon? On a compris. Mais on n'est pas cons. Mais les jeux apéro qui durent 3 jours, on s'en fout du monde. Exactement. Je sais ce qui ne va pas. Nous sommes dans un mauvais camp énergétique. Retournons vers l'innocence. Nous allons chercher ailleurs un nouveau camp énergétique. D'accord. Bien. Bon. D'accord. Vous rangez la tente? On doit ranger la tente. D'accord. Il est fort, hein. Je pense qu'il est temps de quitter l'endroit et... Ramaya. Ouh. Oh, c'est Yatoub. Ouh. C'est bon, Guy, là, je crois que mes chakras se sont ouverts, là. Je suis complètement débloqué, là. Chérie, c'est Marie-Hélène et Bernard. Bonsoir. Ah, bienvenue. Bon ben, je vous préviens, on est venu les mains vides. Hein. Et le ventre creux. Entrez, je vous en prie. Oh, vous êtes ravissant. Ah, c'est bizarre, très joli votre ça fait bien. Entrez, je vous en prie. C'est ma mère. Oh. Ah, dis donc, vous vous ressemblez, hein. Qu'est-ce qu'elle est moche. Comme je te disais tout à l'heure, on suit toi. Hein. Je préfère pas, non. Je déconne. Donc en fait, je disais tout à l'heure que j'étais ingénieur conseil en informatique et qu'en ce moment, je travaille sur un très très gros plan, tu vois. C'est développer en fait des secteurs qui sont... Marie-Hélène, il reste du picon, là. Allez, je me lance, je vais vous faire un petit cake aux courgettes. Bon allez, je me lance, je vais vous faire un petit cake aux toilettes. J'ai pas fait exprès. Bon, on pourra peut-être passer à table. Allez. C'est quoi ça? Ah, ça c'est. C'est de la dinde hindoue. Hein? De la dinde hindoue. Ah ouais. C'est du surgelé là? Non. Ça a pas dû vous coûter cher? Non, c'est du frais. Ça vient de chez mon volailler. Ah ben ça, je me doute bien que vous l'avez pas acheté dans un garage. Ah, ça c'est. C'est à ce moment-là, je dis à Martine, donne-moi ta fourchette. Et je coupe le pain. C'est pas drôle, hein. Fallait le voir, quoi. Alors,
À ce moment-là, je dis à Marie-Hélène, passe-moi le fusil, ouais. Et je bute le chien. Allez, à Noël. À Noël. À la tienne. Est-ce que vous avez un sapin de Noël chez vous? Mais pourquoi faire? Ça met des épines partout. Ouais. Mais un Noël sans sapin, c'est pas Noël. C'est vrai. Oui, mais nous, on n'aime pas Noël. À Noël? Les gens, ils font la gueule. Dites-moi, tu vas pas changer de place avec moi parce que ma voisine est pure. Allez, j'ai une idée. Si on faisait un jeu. Bon, allez, moi j'en ai une autre. Si on regardait la télé. Je suis sûr que c'est des faux. Eh, hey, c'est pas encore l'heure. Mais si on ouvrait les cadeaux? Ouais, et si tu fermais ta gueule? Alors, ça vous plaît? Bah non, parce que j'en ai déjà une. Mmh. Et en plus, la mienne, elle est mieux. Mmh. Et vous, ça vous plaît? Ah oui, ça me plaît, oui. Quoi? Mmh. C'est un très joli papier, hein, vraiment. Dans le tout, il est moche. Hein. Et ça, vous l'ouvrez pas? Ah non, celui-là, j'aime pas, celui-là. Bon, il n'y a plus de cadeaux, là? Il n'y a plus de cadeaux. Ouais, plus rien. Bon, bah, on y va, alors. Ouais, allez, hop. Allez. Ouais. Bravo, des soirées comme ça, tu me les copieras. Hein. Mais si t'étais pas une couille molle, ouais. Tu m'as pas foutu en l'air, mon Noël. Petit coup. Chérie, c'est Marie-Hélène et Bernard. Bon ben, je vous préviens, on est venus les mains vides. Hein. Et le ventre creux. Ça y est, ça marche. Le zoom, la lumière. Ok, tout est bon. Oh, le tapis. Mon cher petit mari, je suis sûre que tu me trompes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour me venger? Oh, tiens. On a frappé. Oh, ah, bonjour. Ah, bonjour. Je suis représentant des salles de bain au Vignol. Je vais pouvoir votre... Oui. Chauffe-eau. Ah, oh, pas oh. Mal. Regardez. Et dès que j'ouvre le robinet, ça coule. C'est très étrange. Oui. Attendez, je vais regarder. Je comprends. Oui. Oui. Au fait, vous n'avez pas jeté de la soude dans votre évier? Ah non. Oui. Bonjour. Bonjour. Je me suis perdu. Est-ce que je peux téléphoner, s'il vous plaît? Oui. 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 À mon avis, pour votre problème, là, il faut appeler un plombier. Hein. Oui. Bon, enfin, vous les connaissez, les plombiers. Mais 10 ans à venir. Oui. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui nous mate. Oh. Bonjour. Bonjour, je viens pour ma leçon de piano. Ah, il n'y a pas de piano ici. Ah. Bon, bah, je viens pour niquer. Oh, chouette. Oh. Wow. Bon, c'est encore long. Putain, mais qui m'a habillé ce matin, là? Yes. Tu vas voir le monstre. J'ai plus envie. Bonjour, ça se voit peut-être pas, mais je suis une infirmière, je viens pour la blessure. Aïe. Moi au moins, je fais qu'est-ce que je dis. Allez, amusez-vous tous les deux. D'accord. Attends. Mets tes lunettes, ça m'excite. D'accord. Ah, comme ça, c'est sympa. Attends. Ah non, je suis pas sadomaso, hein. Non, ça c'est pour attacher ma mobilette, j'ai peur qu'on me la pique. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, je sais pas. Enlève tes lunettes, ça m'excite. D'accord. Non, je voulais dire. C'est marrant. Ouais. J'ai l'impression qu'on se fait mater. Non. Allez-y, hein, faites comme si j'étais pas là.
Tu te formalise pas, hein, ça va redémarrer. Hein, c'est peut-être le chou que j'ai mangé à midi. Si, c'est un homme, c'est possible, parce que qui mange du chou mange mou, hein, c'est connu. Hein. Bon, de toute façon, t'emballes pas, hein. T'es pas une bombe, hein. T'es pas un paquet, hein, je vais te dire. Hein. Le jour où t'auras compris que les sentiments passent un petit peu avant le sexe, peut-être que ce jour-là, t'auras peut-être des... Bon, je vais faire du piano. Hé, hey, ça vous dirait de faire un jeu plus excitant? Oh, enclume, ça me fait 10 points. Oh. 69 points, mot contre triple. Partouze. Et en Monopoly, ça vous dit pas? Voilà. Je crois que je me suis bien vengée. Ah. J'espère que cette cassette t'a plu, mon petit mari. Mais au fait, je suis pas mariée, moi. Est-ce que ça voudrait pas dire que je suis une grosse salope? Bonsoir, cher public, et bienvenue sur ce magnifique plateau. Ils ont été victimes de l'ange Cupidon et du sourire aux lèvres. C'est du samedi soir qu'ils en ont gardé la fièvre. Je vous présente les vedettes du jour, mesdames et messieurs, les couples des Mamours. Ça y est, on passe à la télé. Je suis bien coiffé. Alors, on voit encore ta figure. Ça commence bien. Et toi, tu vas mal finir. Bon, allez, tout de suite, présentation de l'équipe bleue. Ouais. J'ai l'honneur de recevoir Aimé et Jacques, et non pas Aimé Jacquet, c'est aussi ça les mamours. Vous nous venez d'un petit village qui s'appelle... Tarbes. Ouais, ouais. Vous voulez passer un petit message à Tarbes? Coucou Marseille. C'est fait. Comment appelle-t-on les habitants de Tarbes? Des Tarbas. C'est de la balle. C'est Prime Sautier, c'est bon enfant, c'est aussi ça les mamours. Suite présentation de l'équipe jaune. Je reçois un jeune couple, à savoir Nadia et Christopher. Ça va? Le smam. Ah là là, j'adore ce que tu fais là, quand tu fais bigard et tout. T'as vu quand je fais le gars? Ah là là, s'il te plaît, tu me feras un autographe, s'il te plaît, t'es obligé. Mais bien plus que ça. Mais je te ferai bien plus que ça, Nadia. Ah là là, tu me fais huiler le dindon. C'est assez ça, les mamours. Eh bien, écoutez, je trouve que l'ambiance est particulièrement sympa et je dois dire que le public est phénoménal. Il est vraiment... bien, super humeur, je vais tout de suite demander aux femmes de sortir pour la première question. Bon alors, les mecs déguisés en femmes, de sortir. Première question, les garçons, pour 5 points, coin. Jacques, quel est le plus beau cadeau que votre femme vous ait fait pour Noël? Quand elle s'est barrée chez sa mère. Non, plus sérieusement. Pardon, excusez-moi. Plus sérieusement. Quand elle s'est barrée chez sa mère. Youp ! Ça le fait, Maître Gulliver, on enregistre. C'est ça, les amours. Christophe. Ouais. Ça va, Christophe? Ouais, c'est même cool. Question pour 5 points. Quel est le plus beau cadeau que votre femme vous ait fait pour Noël? Un symbole pour effacer les images intenses de la haine et de l'intolérance, de l'encre bleue des mots de l'amour. Ouais. Une rose, une colombe, une... Non, du Tipex. Du Tipex. Du Tipex pour effacer, c'est un branlerie pour les pieds, c'est ça le bonjour. Eh bien, je vais tout de suite demander aux femmes de revenir sur le plateau. Ah, ah là là. Maman, chat, du coup. Ça, non. Allez, on se mêle les boudins. Il fallait bien le faire, c'est non. Fait. Ah là là, excuse-nous. Ah là là, c'est les impitoyables du direct. Ça arrive.
C'est bon, vous êtes prêts? Bon, Aimé, ça va, Aimé? Un petit message à Tarbes? Oui, le train a toujours du retard. Je répète, le train a toujours du retard. C'est un message codé? Non, le train a toujours du retard. Eh bien, j'accepte, les égalités, on accepte. Aimé, nous avons demandé à Jacques quel est le plus beau cadeau que vous lui ayez fait pour Noël. Oh, je m'en rappelle. C'est 12 boîtes de Viagra. Non, du foie gras. Ouais, en tout cas, il m'a gavé comme une oie, hein. C'est du velours, c'est aussi ça, les mamans, on peut... C'est pas ça. Nadia. J'adore ce que tu fais. C'est vrai? Trop rigolé. Fais-moi du gars. Les gars, ce moment-là. Ah là là là, c'est trop bon. Ça te plaît. Ah là là. Allez. On dirait Jackie Chan comme ça. On cumule les scores. Alors, même question pour vous, Nadia. Quel est le plus beau cadeau que vous ayez fait à Christophe Offé? Vas-y, toi, arrête de souffler, là. C'était quoi? C'était quoi? Attends, je suis trouvé, là. Ouais, mais c'était quoi? Le plus beau cadeau, c'était... C'était quoi? Trop fort. C'était quoi? Trop fort. C'était quoi? Tu parles trop fort. Je parle trop fort. En tout cas, pour vous, c'est trop tard et ça ne marque pas. Bienvenue au télécasting. Aujourd'hui, c'est la sélection des chanteurs français à la demande de la société Eurovision. Hein, je m'appelle Katia, avec un cul. Comme Quimper, pourtant. Salut. Je vous demanderai donc de chanter votre chanson en chantant si possible. Hein. Surtout, n'en faites pas trop. Je préfère que vous en fassiez le moins possible que le plus maximum. Ça veut rien dire, ça. Oui, c'est ça. Alors, Carmelo, le producteur va arriver. Vous allez voir, c'est un amour. Ne vous en faites pas. Ouais, ok, Nico, t'es viré. Hein, à ta gueule. Ok. Ok, Katia, qu'est-ce qu'on a là? Alors, nous avons 5 candidats qui viennent de 3. Et ils sont combien? 5. Ils viennent d'où? De 3. Ouais, ok, premier candidat. Francis Smith. Comment tu t'appelles? Francis Smith. Ouais. Tu rêves d'être chanteur? Tout à fait. C'est mon rêve. Ouais, bah tu rêves. Dégage. Jean-Philippe Christophe. Y a pas de miel dans les abeilles. J'aime bien ça. T'aimes bien ça? Oui. Ouais. T'aimes bien ça? Ça, j'aime bien. Ouais. Et dégage. Oui, dégage. C'est chiant. Alain Soupe. Ouais, Soupe Alain. Et j'ai bobo dans mon petit cœur. Main qui tremble, les yeux qui pleurent. Et le mec qui se casse. Et doigts qui se tombent. C'est pas mal. Ouais, t'es viré, toi. Jamais tu reviens. Michel Aring. On est bien en Provence. Eh ben, retourne-y. C'est bon, c'est chiant. Ouais. Michael Damour. Moi, je suis... Mauvais. Oui. Dommage, c'est long. Ouais, c'est long. Hein. Ouais. Ouais, c'est con. Hein. Ouais. Mais c'était bien. Non, c'était pas bien. Non. Ouais. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé ma chance. Ouais. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est bien de laisser la chance aux gens. Ouais. Oui. Ouais, c'est mieux. Ouais. Tout à fait. Ouais. Vas-y. Alors. Ouais. Arrête. Ouais. Ah, c'est mieux quand t'arrêtes. Hein. Oui, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Tu me rappelles. Moi aussi. Il me rappelle. Oui. Tu me rappelles. Oui, rappelle-le. Allez, tu me rappelles. Il reste qui là? Il n'y a plus personne. Alors chante pour voir toi. Pour voir toi. Ah, c'est toi que je prends. Oui, prends-moi, Carmelo. La semaine prochaine, ça sera télécasting spécial sosie. Alors, je vous demanderai de ressembler en ressemblant si possible. Et je vous en prie, n'en faites pas trop. Hein. Je préfère que vous en fassiez le moins possible que le plus maximum. C'est important. Mais ça veut rien dire, ça. Oui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Main qui tremble, les yeux qui pleurent. Main dans sa gueule. Qu'est-ce que t'as encore fait? Oh, regarde! Qu'est-ce que c'est moche? Ouais. Oh. Bon, allez, on va se mettre là. D'accord. Alors là, tu veux être par là? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, mais c'est pas vrai! Tata, il y a la grosse qui a cassé le château! Non, ça va, toi, oui! Ça va, oui! Oh, dis donc! C'est pas les moulineaux, là? Oh là, t'en tournes pas! Oh, les moulineaux! Oh, bonjour! Eh ben alors, pourquoi vous faites semblant de pas nous voir? Oh, bah, du tout! Comment ça va?
Michel. Oh, c'est joli, là. Ah, Bernard. C'est super, on va pouvoir se voir tous les jours. Ouais, c'est super. Alors nous, on a fait un beau voyage avec quelques nuages. Ah, vous avez fait une petite couleur, hein. Oui, vous avez remarqué. Ah, oui, ça se voit. Spécial foutée. Mais c'est pas vrai, c'est qui ce gros débile là? Excusez-le, c'est mon beau-frère. Ah, mais il est pas beau. Viens là, Donatien, qu'est-ce que ça veut dire de comme ça d'embêter les gens? Ah, mais c'est pas vrai. Excuse-toi auprès de Marie-Hélène et Bernard. Non, pardon, Marie-Bernard et Hélène. Ouais, il est un petit peu spécial. Ah, ben, spécial goûter. Il est quelque peu en retard. Ah, mais c'est plus du retard là, il est pas parti, hein. Vous désirez un petit biscuit? C'est délicieux, monsieur m'a dit qu'il les avait fait lui-même. Ah oui, ah, mais il faut faire attention à la ligne, hein, parce qu'après... Hein. Oh, vous êtes très bien. Je dis ça pour vous, parce que là, ça gonfle. Hein. Marie-Hélène, je sais que ça cogne, mais ça vous dirait de jouer aux raquettes? Ah oui, mais avec Bernard. Hein. Allez, hop. Oui. Tu te rends compte, il pourrait jouer avec nous quand même. Hein. Ah. Mais c'est à cause de toi, écoute, tu dis jamais rien. C'est beaucoup trop gentil, enfin. Mais, non, ça suffit. C'est comme au travail, ça. Quoi, hein? Au travail? C'est facile, ça, ah oui, le travail. Je parle pas du lit, hein. Non, alors, non, mais attends, je peux aller leur dire, moi, si tu veux. Hein. Ah bah, dis-leur, alors. Dis-leur. Tu veux que j'aille leur dire? Oui, dis-leur. Bah, tiens, j'y vais, tu vas voir. Spécial John Wayne. Oh, hé, hey, hey. Oh, merde, bon, Marie-Hélène et Bernard. Ah, qu'est-ce qu'il veut? On fait un volet? Ah oui, d'accord. Ok, vous êtes prêts? Allez. Je suis président de la République. Oh, c'est quoi? C'est que lui, hein. Allez. J'engage. Hop. Ouais. Place-toi. Vas-y. Vas-y. Ouais. Ouais. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui meurt et qui arrive au paradis. Alors là, il tombe sur Saint-Pierre. Saint-Pierre lui fait: oui, écoutez, vous avez péché, mais je ne sais pas où je vais vous emmener. Enfin bon, le mec se formalise pas, il dit: bon, où je vais au paradis, où je vais en enfer, moi en tout cas, je reste pas là. Le gars, donc Saint-Pierre, lui dit: bon, peut-être vous avez fait. Attends, elle est longue ou pas? Oui, elle est longue, mais elle est sympa parce que. Bon, laisse tomber, ça me fait chier. Michel a une peau de bouquin. Ah, elle est très trash, ça. Alors moi, je lui mets un écran total. Très bon écran total. Très cher. Et vous mettez quoi? Ah ben la même chose que vous, tiens. Ah ouais, elle est bien celle-là. Combien vous l'avez payé? Tiens, voilà, on va en mettre plein. Hein. Oh, quel bonheur. On est pas bien. On est bien. Oh, ouais. Raconte-leur l'histoire du Niger. Oh, fabuleux. Génial, un voyage organisé. On arrive au Niger, on arrive à l'aéroport. Une chaleur monstrueuse. Je veux voir pour les bagages. Plus de bagages. Attends. Je vais voir le responsable, si c'est un petit peu fort, on vient ici pour les vacances. Oui. Y'a plus de bagages. Attends, tu sais ce qu'il me dit? Oh, arrête de me chatouiller, merde. Ah mais c'est drôle. Ouais mais bon, ça. Écoute, tu crois pas qu'ils ont dépassé les bandes quand même? Oui, je sais. Moi, j'arrive pas. Non, écoute, tu vas pas te laisser humilier comme ça tout oui, le temps. Je sais. Sois adulte un petit peu. Fais quelque chose. Ah, dis donc, je crois que vous avez été à manger un de ces soirs là. Oui. Bah, quand vous voulez. Ah, bah, ce soir, oui, hein. Oui, voilà. Oui, non, mais c'est comme ça. Non, le problème, c'est que nous n'avons rien à manger. Ah, oui, là. Nous n'avons pas fait des courses. Voilà. Ah, oui, bah, je comprends. Ah, bah, attendez. Ah, bah, là, faut y aller, là. Parce que ça va faire une dans une heure. Allez, hop. Allez, bonne chance. Ah, bah, oui, on y va, là. Bon, allez, on est en vacances, hein. Allez, on va bronzer, mon petit lapin. Allez, viens. Bon, pyramide du frère, hein. Moi, je suis pour vacances pour vous faire de la merde. Allez, là. Il y a quelque chose. Je vais leur dire, mon toi. Bon, levez-vous maintenant. Allez-y, levez-vous. Maintenant, ça suffit. C'est n'importe quoi. Depuis le début, nous sommes très déçus de votre attitude. Vous faites n'importe quoi. Ça a commencé par les raquettes, les courses. Les biscuits. Oui, enfin, on n'est pas quelques biscuits près, ça va non plus. Non, ça va, c'est bon. Mon château fort. Alors, si vous voulez vous battre, Bernard, ça va être vite réglé. Hein. Moi, je suis votre homme. Hein. Si vous voulez vous castagner. Alors, Bon, c'est tout? Oui, bah, c'est largement suffisant. Hein. Oui. Bon, bah, on vient manger à quelle heure ce soir là? Parce qu'il fait faim là. Fait faim, hein. Allez. Désolé, je t'ai à fond. Hein. Quand il molle. Oh putain. Tu te rends compte, mon lapin? On a un mois de vacances tous les jours. Tous les jours, on mangera ça. Tous les jours, il y aura du soleil. La mer. Le sable. Bon, on rentre à Paris. L-G-I-S.
informations. Salut à tous, c'est MC Saturne pour les informations du jour et de la nuit. Tout de suite, accident. Il y a eu un carambolage sur l'autoroute A8. Un camion rempli de carottes s'est renversé et les gens se sont insultés. Et alors ? Comme quoi, la carotte, ça rend pas aimable. Patch, si vous en avez marre d'arrêter de fumer, on vient d'inventer le patch pour patch. Nourriture. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, on peut plus manger d'animaux, ouais. De végétaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger ? Du polyester, du carbone, du plastique ou du cuir. Alors, pas du cuir, il y a de la vache là-dedans. Ouais. Et tout de suite, un petit enchaînement avec Nadia, notre envoyée spéciale dédicace. Ouais, ça tourne là, je suis dans le 7-4 là, je suis avec un type qui est vachement connu là, c'est JB José Bové. Et alors qu'il est super connu, alors qu'il est même pas passé dans Fan 2. Alors, je vais aller tout de suite à sa rencontre pour le rencontrer. Vas-y, suis-moi. Tu vois que tu fais, bouffon là, vas-y, suis-moi. Viens. Alors, va, alors toi là, vas-y. Ah là, ils sont balèzes tes pitbulls. Alors, toi, pourquoi t'as cassé un fast-food là? Je ne l'ai pas cassé. Je l'ai démonté avec mes amis pour contester contre une taxe gouvernementale. Mais ils t'ont rien fait les ricains là, ils sont cool là, regarde Mike Tyson, Michael J. Fox, tout ça là. Mais je n'ai rien contre les chanteurs américains. Je suis simplement contre la mondialisation. C'est-à-dire, je comprends pas, t'es contre le mondial ? Non, je suis contre l'économie mondiale. Car c'est une économie qui ne sert que les intérêts des plus grandes nations. Ouais. Hein, en vérité, c'est l'appauvrissement culturel, ouais. La domination américaine. Hein? Je traduis, j'ai rien capté là. Il faut que je pose une question. José, c'est portugais? Non, c'est un prénom. Ah, d'accord, mais alors, à part casser les fast-food là, c'est quoi qui te vénère? Le transgénique. Transgénique. Ah, en fait, tu te fais des trafes toi, t'as l'ascar, sérieux. Mais contre quoi t'es contre? Non, je suis contre l'OGM. C'est-à-dire t'es plus pour le PSG, quoi. Non. Comment vous faire comprendre? Imaginez que les Américains vous forcent à acheter du haschich trop coupé. Que leur feriez-vous? Alors, je leur démonte la face. Bon, moi, je leur démonte leur restaurant rapide. Ah, d'accord. Alors, finalement, là, José Bové, avec ses allures un petit peu paysannes, c'est un petit peu le NTM de la nourriture. José Star, là, sérieux, il parle avec des mots des trop puissants, là. Sérieux, il a un trop beau petit cul, là. Sérieux, il me fait délirer, à part la stache mou. Bon, ça fait partie du quelou parce que c'est une rosta, mais... Tu prends une dédicace, sérieux? Bah avec plaisir, j'en suis très flatté. C'est vrai? Viens là. Voilà. Ah, il est trop puissant, ce mec-là. Voilà. Donc voilà, bah écoute, vu que t'aimes pas les restaurants américains, je t'invite à manger un petit shish kebab. Ça tombe bien, moi aussi, je fais un petit peu bab. Tout de suite, enchaînement El Château avec une petite interview. Interview! Où je reçois Paco Rabanne. Et alors? Bonjour, terrien. Salut, Golgoth. Alors toi là, Paco là, qu'est-ce que tu fais en ce moment? On n'entend plus parler de toi, t'essayes de faire tomber la station Mir avec un lance-pierre, sérieux? Gag! Non! Je ne crois plus à la destruction de Paris, ni aux réincarnations. Non. Tu crois plus que t'étais la Joconde ou je sais pas, le cheveu sous la langue de Sophie Favier ou le slip de Gauthénaire, sérieux, plus rien là? Non, je suis comme les fruits dans votre loge, j'ai mûri. Bah ouais. Mais alors, attends, alors qu'est-ce que t'es maintenant? T'es redevenu sagement et sympathiquement et humblement Paco Rabanne, le grand couturier? Ouais. Non, Paco Rabanne, le grand schtroumpf. Ouais, d'accord. Et puis moi, je suis schtroumpftager, c'est ça? Exactement. Hallucination. Et pourquoi t'es pas petit? Parce que t'es le grand schtroumpf? Parce que nous sommes tous des schtroumpfs. Sérieux? Ah. Toi aussi, t'es rien, tu es un schtroumpf. Tout le monde est un schtroumpf. Et il faut se méfier, car Gargamel veut nous détruire. Nous devons nous enfermer dans nos champignons. Mais faut pas les manger, Paco. Pas bon de manger les champignons, hein? Non, car sinon nous serons des SDF. Divagation! Ah là 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 là, Paco Rabanne, tu me fais délirer, sérieux. Non, quand je te vois, j'ai toujours l'impression que tu vas nous faire un petit tour de magie, là, tu sais. Eh bien, je vais en faire un. Eh ouais! Puisqu'on s'est moqué de mes prédictions. Je disparais! Disparition! Ah, il est fort! Il est fort, Paco Rabanne. Merci, copain. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Et gros bisous.
bonjour. Nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ces grandes familles aristocratiques. Tous ces noms qui claquent au vent de l'histoire pour notre plus grande jouissance. Les caméras de Sagave ont pénétré la somptueuse propriété de la famille Bourbon-Lacrémaillère. Domaine de maître qui excite encore tant les convoitises d'un peuple qui ne peut pas comprendre que la monarchie a besoin... Mais revenons plutôt à ce conte des mille et une nuits où nous allons assister dans la discrétion qui est nôtre aux royales fiançailles d'un prince du désert et de Anaïs Gwendoline, dernière descendante de la lignée Bourbon-Lacrémaillère. Oh, bienvenue au château Bourbon de la Crémaillère. Entrez, je vous en prie. Je suis au service de la famille depuis 20 ans, et ceci de père en fils. La famille Bourbon de la Crémaillère est connue pour son hospitalité, notamment en 1943, lorsque la commandanture était invitée à festoyer, elle venait... Oui, Francis, elle est venue, mais elle est repartie tout de suite. Voilà, hein? Oh là 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 là, qu'est-ce que je vois, Francis? Francis, qu'est-ce que c'est que ça, Francis? Francis, vous avez du travail, là. Allez, très bien. Bien, bienvenue dans notre château des Bourbons de la Crémaillère. Alors, petit historique. Donc, mon ancêtre, Louis II, épouse Anne de Bavière, qui est en même temps la grand-tante du roi Clément XVI d'Autriche, l'arrière d'un mariage formidable dans la lignée des Gascons. Oui, c'est un privilège de travailler pour Monsieur le Comte. Hein. Oui, il adore la thune, hein. La terre. Jean-Paul, cessez d'importuner ces braves gens, hein. C'est moi qui sont venus voir, hein. Oh, il est con, ce con. Oui, madame. Oui, ce sont des braves gens. Des enculés, oui. Tout le monde ne peut pas être le chauffeur de la famille Bourbon de la Crémaillère. Il faut avoir une certaine éducation et, comme dit toujours madame... Tu la bouges ta fiotte, gros pédé, merde! On n'est pas des bêtes. Moi, je suis en quelque sorte la maîtresse de bienséance. Comme disait Marie-Anne d'Autriche, une table, c'est comme un cheval. Elle doit être bien dressée. Oh, écoute... Louis II, Louis de Bavière... Le couteau à viande, là, le couteau à poisson, ici, le couteau à purée... Et Louis de Funès. Le verre à eau, le verre à vin, le verre à purée... Et du mariage de mes parents naquirent deux enfants, ma femme et moi. Ce qui voudrait dire que je me suis marié avec ma sœur. Enfin, bref. Et de ce mariage naquit notre fille, Anaïs Gwendoline. Un jour, mon prince viendra. Ah, la salope, va laver ton cul, ma propre. Le maréchal! Putain, un coup, t'auras l'air moins con! Chers amis, il s'agit sans doute du doyen de la famille. Enfoiré! Saligon! Délicieux. En 1944, un prisonnier de guerre, un certain Blumberg, a été livré au SS. Oui, il a été livré, mais il a été délivré, voilà. Ah, Francis, qu'est-ce que je vois là? Vous avez du travail là, Francis, hein? Qu'est-ce que je vais faire de vous? Les caméras de Sagave ont eu le grand privilège de rencontrer le père du prétendant, l'émir Abel. In two days, dans deux jours, I will be married my son, je marie mon fils avec la fille de la crémaillère. Je parle pas assez bien le français. Regarde l'exemple. Le chou farci, la crème chantilly, le gué de Maupassant débarrasse le top. Quant au prétendant, le prince Slimane Yaziz, qui lui parle français, il vient d'acheter sa maîtrise à Oxford afin d'épouser Anaïs Gwendoline. C'est vrai que j'ai eu plus de chance que les autres à la naissance. Mais je vais pas m'excuser d'être riche. Tout n'a pas été fuchsia dans ma vie. Hein. J'ai failli sombrer dans la petite délinquance. Je suis allé en discothèque, j'ai fumé des cigarettes. Une fois, sous l'emprise d'un cidre brut, j'ai tutoyé mon père. Je crois que je suis un peu voyou. Ma chérie, dépêche-toi, ton futur mari arrive dans 2 minutes. Oh, je vais avoir une crise cardiaque, moi c'est terrible. Ne sois pas vulgaire! Oh, j'ai la chatte qui me gratte. Vichy, ah, va-t'en ma poupoune, va-t'en ma poupite. Faites-moi. Oh,
bienvenue au château de la Crémaillère. Vous êtes ici, chez moi. Ah, et remercie tout you to receive me. Mais les deux Bourbons de la Crémaillère. Ah, bah, dis donc. Je vous ai amené un petit cadeau. Ah, oh, mais bah, fallait pas. D'accord, je le garde. Hein. Slimer. What's this, Slimer? Allons, on attend une grande. Pas ça, c'est cher, mon fils. Voici ma fille, Anaïs Gwendoline. Bonjour, Slimane. Et comme dit l'adage populaire, ils se marièrent, vivèrent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais n'anticipons pas sur ce bonheur futur. Aujourd'hui, je reçois ça. Écrivain déluré, quinquagénaire édenté, sa littérature se place entre le style naturaliste d'Émile Zola, le nouveau roman d'Alain Robbe-Grillet, la collection Harlequin d'Evelyne Leclerc. J'ai nommé, mais vous l'avez deviné, Françoise Boisy. Françoise, salut. Avant de commencer, je vais tout de suite t'appeler Jenny. C'est beaucoup plus jeune et beaucoup plus fun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Vite à vie. Ah, comme il te plaira, attention. Non, Placido, tu me respectes, je te respecte. C'est un pec. Wouh! Jenny, on t'a découvert avec ton premier roman, Mont Blanc, La Sérénité. T'as raison, file-moi un coup de blanc. 85, Prix Goncourt avec Ma vie si rose. T'as raison, un rosé, c'est mieux. 89, tu reviens en force avec Les Fourmis Rouges. T'as raison, c'est mieux un coup de rouge. Attends, Jenny, concentre-toi, sinon on va pas y arriver, là. T'as raison, rouge sur blanc, tout fout le camp. Bon, attends, fais un break, elle me saoule. Eh, il tient pas le coup, la pédale. Allez, on s'y remet. Jenny, je crois que t'as écrit ton premier ouvrage en vers, toi, non? Tout à fait, en vers. Non, tu ne la fais pas, celle-là. Alors là, Jenny, ça déchire. À la page 55, tu écris... Oh putain, les doigts dégueulasses qu'elle a. Ouais, c'est complètement taille. J'ai jamais écrit ça, moi. T'as vu ça, mais film, c'est immonde. Alors là, Jenny, à la page 55, tu écris... Oh putain. Oh, ça va recommencer, là. Non, c'est pour détendre. Ok, va mourir, ouais. Jenny, comment t'écris tes romans? T-S-R-O-M-A-L-S. Je te laisse tomber, ça. Coupe. Ouais, alors ça, c'est ton salon? Tout à fait. Ouais, on reconnaît bien le bordel. Et ça, c'est ta cave à vin, alors? Non, c'est ma chambre. Jenny, parle-nous de ton livre. C'est l'histoire. C'est où les chiottes? De Malika, le destin. Une mère de famille, quasi analphabète, qui devient reine, pleine de vertu et d'humilité, et qui combat ses détracteurs avec fougue. Eh, tu connais l'histoire de l'ours qui se fait enculer par le lézard? Et là, t'as un petit lézard qui arrive, mec, qui fait comme ça. Moi, je le fais mal, je sais pas bien faire le lézard, mais... Et force, car... Très courageuse, mais Malika ne souffrira pas. Non. En tout cas, je ne dirai plus rien pour ne point dévoiler l'intrigue. Ouais, et elle meurt à la fin, Jenny. Elle est belle, l'histoire. T'as pas du sel? Ouais, sympa ton bouquin, mais y a pas d'image. Marcel, une petite côte. Tiens, là. Bon, Françoise, au lieu de t'appeler Jenny, je vais plutôt t'appeler un taxi. Ouais. Est-ce que t'auras un petit message à passer aux jeunes auteurs qui nous écoutent? Tiens. Je me suis fait dessus. Ok, c'était le Placido Show avec Françoise Moisy. Champagne. Ah, le voyant est rouge, la caméra est allumée, très bien. Alors, bonsoir, bienvenue dans l'émission de l'art contemporain. Oh ben non, qu'est-ce qu'il se... Voilà, c'est très bien. Où ce soir, donc, nous sommes chez un peintre. Ah, José, je ne vous ai pas attendu hein, pour la présentation. Je le sentais mieux comme ça. Alors, pour mieux comprendre ce peintre, il faut savoir une chose très importante, qu'il y a une sorte d'évolution... Test micro, 1-2, 1-2, 1-2. ...qui fait ressortir... Hélène, je m'appelle Hélène. ...et qui vient d'une école... Je suis un garçon comme les autres. Sinon, on comprend rien. Voilà, merci José. Alors, Pedro Mustapha, c'est pas votre vrai prénom, hein, c'est un pseudonyme. Mm-hmm. Oui, oui. Parce que votre vrai nom, c'est Maurice Chotard, c'est ça? Et, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes peintre,
Et alors, qu'est-ce que t'as dit? Vous êtes peintre? Peintre? Oui. Je suis concepteur pyrographique sur Côte de Porc. Appelons un chat un concepteur pyrographique sur Côte de Porc, non? Le porc, finalement, est une machine. On le conditionne. Tu vas fermer ta gueule! S'il te plaît. Bonjour. Hé! Hey! Non! Pas là, le pot de peinture, j'ai dit! Sur l'étagère! Alors vous êtes la muse de Pedro Mustapha? Ouais, je suis la muse gueule! C'est l'heure, carte-fou. La 4. Stop, on bouge plus, stop! Bon. Oui, José, dis-donc. Oui. Entre dans la lumière, Kata. Purifie-toi. Bref, pour résumer, l'art contemporain. La solitude. Car pour moi, l'homme est un point dans l'univers. Te vois la muse à présent. Mais je ne fais pas du supermarché, je ne parle pas... Tu es qui, toi? Bon, je suis Jean-Arkim Orkinovstein de la télé, on fait... Le triptyque. Le social, l'art, la divinité. Car pour moi, l'art est au milieu. Oh. L'art est au milieu. Jouis. Si vous peignez avec votre modèle, c'est une véritable inversion. C'est extraordinaire. Mais non, j'ai plus de pinceau. Oh, vous êtes fort. Ne triche pas, quoi. Mes références. Oui. Le dadaïsme, avec Marcel Duchamp, indubitablement. Cet homme a réussi à mettre des objets du quotidien dans un musée. Pour vous dire le talent de ce type. Des lampes, des chaises. Mais l'œuvre majeure, l'urinoir de Marcel Duchamp. Moi je vais y aller, José, hein. À la semaine prochaine. C'est toi le taré qui a pissé dans l'urinoir de Duchamp? Oh non, mais non, alors... Mais depuis quand les urinoirs servent à ça? Ça se saurait. Hola guys, bienvenue dans le Placido Show. Aujourd'hui, je reçois ça. Moi, je suis seul avec toi. Après avoir chanté faux avec Zazie, Pani et Sous la Douche, il nous revient pour une carrière solo et tout seul, j'ai nommé, mais vous l'avez deviné, Michael Damour. Je suis tout seul avec moi et moi. Attends, Rodolphe, tu peux me monter les retours, hein, parce que là je m'entends pas, hein, j'ai que l'aller. Hein. Michael, salut, je crois que tu viens de finir ton dernier album. Ouais, les images, elles sont super belles. Ouais. Mais tu vois, Milou, il m'a un peu déçu sur la fin. Ah, il a le melon, Milou. Michael, comment tu crées tes chansons? Ben, tu vois... Ouais, j'ai dit ça à l'œil droit, ouais. En général, je prends un mot au hasard. Ouais. Par exemple, vélo. Ouais. Et après, je recopie le dictionnaire des rimes. Ouais, et c'est quoi ton style? Ben, tu vois... Ouais, je vois. En général, je prends un mot au hasard. Ouais. Par exemple, vélo. Ouais. Et après, je recopie le dictionnaire des rimes. Ouais, elle est belle, l'histoire, Michael. Wouh! Moi, je suis seul avec toi et moi. Ouais, mais c'est quand même Obispo qui compose et écrit tes chansons, non? Ouais, mais attends, c'est moi qui ai acheté la gomme et les stylos. Ah, elle est belle, l'histoire. Alors là, Michael, dans ton salon... Non. Bon, mais chez qui, alors? Bah, qu'est-ce que vous faites chez moi, là? Parlez-vous, bande de malouches! Chérie, laisse le pitbull! Michael, qu'est-ce que tu penses des gens qui aiment pas ta musique? Tu m'as déjà posé ça, non? Ouais. Je suis seul à l'intérieur de toi. Michael, ça veut dire quoi pour toi, être chanteur? Bah... Tu vois, moi j'estime qu'à partir du moment où tu t'exposes en public, tu n'es que le miroir de toi-même par rapport à une pluralité individualiste. Et tu le penses encore? Tu peux me répéter ce que je viens de dire? Seul avec moi et moi. Je crois que t'as fait la tournée des enculés, toi. Des enfoirés, toi, non? Ouais, parce que moi je m'estime un chanteur engagé. Hein. Ouais. Chanteur licencié.
Michael, là, on est avec Sabine, ta nouvelle copine. Non. C'est ma femme! Parlez-vous comme ma femme! Michael, c'est quoi ta chanson préférée? Tombe pour elle! Ici, on est dans ta vidéothèque et regarde, on a retrouvé des vieilles images de toi. Ouh, alors là, Michael, on est... En toilette. Ah ouais. Comment t'expliques que t'es autant succès, autant de succès? Bah... Ouais. Ouh, alors là, Michael, on est dans ta voiture. Ouais, on est en ta voiture, ouais. Alors, on s'en tous écrit ta première chanson. Michael, c'est la fin de l'émission. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux jeunes qui veulent percer? Acheter une perceuse. C'est de la balle. Voilà, c'est terminé. C'était le Placido Show avec Michael Damour. Non. C'est moi, Michael Damour. Mais c'est moi, l'entendance. C'est moi, Michael Damour. C'est moi qui chante. Oui, vous voulez des bigorneaux? Vous voulez des bigorneaux? Ladies and gentlemen, get up with the mafia. Yeah! I want to get it like a big one, no? Yeah! La, like a stick that in? Yeah, come on, man, come on! Woo! Come on, man! One stick, you! Je peux brasir des chamallows ou je peux foutir des samalos. Grosse chienne, Gorbatchev parti, Kakarin ou Kabolochi. Maote dans ma dégueulée, Arakiri par Bistouri. Oh les gars, on ne comprend rien. Comprend rien, comprend rien. Ça veut rien dire, mais c'est bien. Mais c'est bien, mais c'est bien. One step you. C'est Benchette et Kermalek, y'a Pornica Samaro. Chistera de Bayonne, Feria qui va se rendre au pinou, Bikosu Mouji. Eh les gars, on comprend rien. Comprend rien, comprend rien. Ça veut rien dire, mais c'est bien. Mais c'est bien, mais c'est bien. Ce soir, la France est divisée en deux, pour ou contre les allumettes. Tout de suite, reportage. Vous avez commencé à quel âge? À 15 ans. 15 ans, c'est... C'est-à-dire que... en fait, j'avais pas trop le choix. Mes copains m'ont plus ou moins obligé à tout ça, quoi. Vous voulez dire que le mot allumette... Image très dure, on vous avait prévenu. Bien. À ma droite, je reçois un spécialiste en allumettes. Entre autres. Emmanuel Joucla. Entre autres. Alors vous avez préféré garder l'anonymat, Joucla? Oui, tout à fait. Je ne voulais pas que ma famille me reconnaisse. Évidemment. Bien. À ma gauche...
Je reçois un homme politique, le député russe Jean Dujardinov. Oui, c'est là, je suis né en Russie, mais je suis natif de Lyon, que je salue. Promo, promo. Oui, il a droit, il a droit. Il mérite. Oui. Alors vous, vous êtes contre les allumettes? Non, excusez-moi d'intervenir, mais enfin, monsieur Dujardin est contre les allumettes pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de bourreau. Je le dis sans agacer. Oui, mais monsieur Joukla, on avait dit pas les habits. C'est vrai. Pas les habits. Écoutez, monsieur Joukla, on connaît vos méthodes. Vous n'êtes pas tout blanc. Oui, et non, la mais... France le sait. Non, s'il vous plaît, monsieur Joukla. Si, le passé peut en témoigner. Avez-vous des preuves, monsieur Dujardin? Vous voulez que je sorte mes chiffres? Mais allez-y, sortez-les les chiffres. Monsieur Dujardin, je vais vous dire une chose, monsieur Dujardin. Les allumettes. Qu'est-ce que vous avez? Non, non, les allumettes. Les allumettes n'ont jamais causé la mort de personne. Arrêtez-moi si je me trompe. D'accord, vous êtes en état d'arrestation. Écoutez, monsieur Joukla, cessez ce discours démagogique et sibyllin, ça devient pathétique. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre basse. Moi, je peux vous dire, oui, je peux vous dire, monsieur Joukla, je vous le dis dans les yeux, si je peux vous dire que quand je rentre chez moi, à 15h du matin, et que je vois mon fils avec une allumette à la main, monsieur Joukla, je peux vous dire qu'en tant que mère de famille, je souffre. Écoutez, monsieur Dujardin, Primo et monsieur Moquet pourront en témoigner. Non. Si, si, Primo, vous n'avez pas d'enfant. Vous voulez que je sorte mon fils? Laisse pas traîner ton fils! Si tu veux pas qu'il glisse! Dezio, c'est une question de seconde. Non, c'est une question de seconde. Non, monsieur Dujardin, vous le savez. C'est vous... Tertio. Oh, monsieur Dujardin, Tertio, les minutes manquent. Oui. Et Casio, c'est ma montre. Monsieur, vous n'êtes pas sans savoir que toute publicité est illicite. T'as un lit, s'il te plaît. Écoutez, moi je ne rentrerai pas dans votre jeu, cela ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas les Français. Mais puisque vous m'attaquez, monsieur Dujardin, je sors le chiffre. Mais allez-y, sortez-les les chiffres. 70%. Oh. Oui, mais monsieur, soyons sérieux, monsieur Dujardinov, Topalov, monsieur Topalov. On va pas mentir aux gens, 70%. S'il vous plaît, monsieur, soyons sérieux, s'il vous plaît. Écoutez, soyons sérieux. N'importe quoi. S'il vous plaît, monsieur Topalov, d'où sortez-vous vos chiffres? Mais écoutez, de mon slip, 70%. Monsieur Dujardin, vous savez aussi bien que moi qu'on peut leur faire dire n'importe quoi. Si. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on retourne, ce ne sont pas les mêmes chiffres. Une remarque. Simple constatation, je pense que les Français l'auront marqué. Mais monsieur Moquet, je pense que vous avez très bien fait de le souligner, puisque de toute façon, monsieur Joukla ne l'aurait pas fait. Non, monsieur Dujardin, s'il vous plaît, non. Monsieur Dujardin, je vous connais depuis longtemps maintenant. C'est à moi. Je suis habitué à vos colibets. Oui, d'ailleurs, ça me fait bizarre de l'avoir dans votre main. Exactement. Et je vous le dis en passant, parce que depuis le débat, depuis le début du débat, je... Calmez-vous, monsieur. Bien, écoutez, vu la tournure de ce débat, moi, je ne peux vous dire que je ne resterai pas une seconde de plus ici. Ça ne m'étonne pas de lui. Ah, il a le bâton. Oui, alors là, écoutez, monsieur Moquet, je crois que c'est flagrant. Monsieur Dujardin s'en va parce qu'il n'a plus d'argument. C'est ça? C'est bien ça? Ne m'interrompez pas comme ça tout le temps, monsieur Dujardin. Non, parce que juste ici, j'ai été gentil, hein, mais si vous continuez, moi je quitte le plateau. Oui, monsieur, s'il vous plaît, hein, respectez cet homme. Cet homme est un anonyme. C'est alors, un petit peu de Nicole Croisé. Parfaitement. De courgeoisie. Oui, parce que moi, courtoisie. Oui, parce que moi, bon. Ça sert à rien de me regarder comme ça, je suis pas là, je suis parti. Ah, il est pas là. Écoutez, je me suis laissé parler, alors ayez au moins l'amabilité de vous laisser parler jusqu'au bout. Oui, mais monsieur, s'il vous plaît. Et là, ce n'est pas le journaliste qui vous parle, mais l'orthophoniste. Je trouve que vous parlez un petit peu trop avec la bouche. Mais monsieur, je parle avec les moyens qu'on me donne. Accordez-le-moi. Je vous l'accorde. Bien. Voilà, nous sommes amis. C'est bien. Écoutez, avant la fin de l'émission, j'aimerais revenir dans le débat. Justement, c'est la fin de l'émission. Je dis quand même tout à fait à demain. Ils ont été longtemps premiers sur tous les hit-parades français. Ces cinq beaux garçons. Enfin, ces cinq garçons sont aujourd'hui à la dernière place. Bah alors les garçons, qu'est-ce qui vous passe? Mais en tant que fan, ça change pas notre avis. Ce sont eux que nous les filles, qu'on n'a pas encore leurs règles, que c'est eux qu'on préfère le mieux. Quoique les What's Apart et les Boyzone sont pas mal non plus. Aujourd'hui, femme 2 spéciale, Pathetic Loser. Hôtel Prince de Galles, il est 17h15. Les Pathetic Lovers vont arriver d'une minute ou de l'autre. Waouh! Hôtel Formule 3 de la départementale 8, 17h15. Ils vont arriver d'une minute ou de l'autre. Les fans en délire sont déjà au rendez-vous. Ça fait maintenant 24 heures que Lydia attend les Pathetic Lovers. On peut dire que vous les aimez? Ouais. Ouais, enfin, c'est surtout que je me suis trompée de jour, hein. Les Pathetic Lovers ont vendu 5 millions d'albums. Enfin, leur producteur a vendu 5 millions d'albums. Premier succès, les a littéralement propulsés aux dernières places. Leur nouveau tube va-t-il les consacrer? Donne-moi ton dos. Je suis fier d'avoir...
les Pathetic Losers sont vraiment nos préférés. Quoique les To Be Free, les C4, les 7J, les CCDI 2000 et les Eutréma sont pas mal aussi. En tout cas, ils ne laissent pas indifférents leurs fans. Oh yeah. Carrie. Oh darling. Carrie. Yeah. Carrie. Yeah. Carrie. What's your name? Il m'a parlé. J'aimerais tant que l'air. Pour en arriver là, les Pathetic Losers, les Pathetic Lovers ont dû travailler d'arrache-clou. Il m'a touché ! Nous les voyons en pleine séance d'écriture où la règle d'or est avant tout la spontanéité. Darling. Donne-moi ton. Non. Il m'a frappé. Ouais. Cœur. What's your name, Fanny? Fanny. Ah, je suis con, je parle français. T'habites où? Paris. Paris. À quelle heure je peux venir ce soir? Fanny, non? You stop it? Yeah? Come on! Come on, fuck! Darling, donne-moi ton cœur. C'est bien. Darling, donne-moi ton. C'est bien. Darling. C'est cool. Leurs fans sont venus des quatre coins de la France, de la banlieue parisienne. Waouh! Les fans sont déchaînés! C'est normal pour un chanteur d'être auprès de ses fans. Je pense qu'il y a parfois, effectivement, exubérance. Moi, je suis le comique du groupe. T'as une tache là. Où? Là. Moi, je suis le plus speed du groupe. Allez, on y va les gars. Moi, je suis l'aveugle du groupe. Moi, je suis la vaisselle. Ils ont toujours le mot pour rire, ce sont vraiment nos préférés. Quoique les H61,7 et les Aviators et les C8. À toutes les filles, bébé. À toutes les filles qui ont des oreilles. Et là, comment je les ai connus? C'est le fils de ma soeur. C'est la fin de Fang 2. Oh là là. Attention les filles, dans l'un de vos 40 magazines préférés, la photo d'Alain Théo. Cabinet. Ouais. Si vous achetez le prochain Conne et Joli, vous apprendrez comment rouler une pelle à un mec qui a pas de langue. Oh, je m'en fous. La semaine prochaine, spécial rap. J'ai entendu les lingots.
VTN. Bonjour, nous sommes le groupe VTFCEO. Va te faire cuire un œuf. C'est terminé. Sur ce, je vous à bientôt sur Fan 2, l'émission de votre père. La femme est l'avenir de l'homme. Alors, madame, revenez demain. Une semaine qu'on attend la sauterelle rouge. Elle se fait un petit peu d'attendre. Elle va venir. Chut, chut, ferme ta gueule. Comme ça, d'ailleurs, c'est ça. Petit con. Excusez-moi, mais la sauterelle est en période de rut. Le moindre bruit peut la faire partir. Oh, ça va, Bernard? Oui. J'imite le cri de la sauterelle femelle en rut. Oh, tu es sûr que c'est le cri de la femelle en rut, ça? Parce que moi, j'ai une légère érection, là. Je me serais trompé. T'as raison, Bernard. J'en ai une aussi. Comme ça, on fait de la télé. Hein? Et qu'est-ce que tu fais là? Oh, fais pas ta fiotte, reviens! Le silence est au bruit! Le silence est au bruit! Ce que l'eau est au feu! Alors, si tu veux pas te brûler, ferme ta gueule! Ah. Ça. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'île de Trinidad. Située au sud de Cuba, entre Manille et Dijon, le port de Coronès est un excellent mouillage pour tous les marins venus du monde entier. Avec ses couleurs chatoyantes, l'île de Trinidad est un véritable paradis pour tous les photographes. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, si les gens sont nombreux. Disques, cassettes et posters de moi, en vente dans tous les supermarchés et magasins participants. Ça, c'est un yucatagu aux branches arborescentes, portant des grappes de fleurs aux clochettes roses ou blanches. Ça, c'est un oiseau de la famille des oiseaux. Ça, c'est une merde. Et ça, c'est moi. Sur l'île de Trinidad, l'entraide est une valeur fondamentale. Fuego. Non, fuego. Au nord de l'île, l'eau turquoise ressemble à du curaçao. C'est beau. Sur les plages encore vierges, on trouve une variété infinie de coquillages. Touchez pas à la mer. Laissez les petits poissons manger tout le plancton. Pour un CD acheté, un CD acheté. Ici, le soleil est jeté comme un coup de projecteur sur le sable couleur sable. Et les touristes l'ont bien compris. Ils peuvent rester des heures à bronzer. Le soleil ne leur fait plus rien. Un, dos, tres. Un pasito para que María. Pour trois cassettes achetées, recevez la panoplie de moi avec chemise à fleurs et vraie barbe en véritable poil de moi. On ne peut pas quitter cette fabuleuse île sans passer chez Madame Concepcion. Chupa, chupa, operación. C'est un excellent mouillage pour tous les marins venus du monde entier. Dinero! Déjame, putain! Monicón! Ma chère connaît, tu reconnais que tu es Antoine! Eh oui, c'est moi, Antoine! Touche pas à la mer! Tu es pas bien, hein? Allez, viens, c'est pas grave, je vais te montrer la spécialité du pays, va! Ici,
La pipe est à 10 balles. Ah oui. T'aimes bien? Ah oui. T'aimes bien? Ah oui. Celle-là, c'est la meilleure. Hein? Ah, bah, je vais prendre celle-ci alors. D'accord. C'est vrai que moi, j'ai plutôt une vie cool. Je fais des reportages avec des images piquées à Ushuaïa que je revends à Drucker le dimanche. Qu'est-ce que j'irai me faire chier? Hé, fuego! Tiens, c'est moi! Les habitants de l'île ont un sens de l'humour très développé. Compañero, ¿qué pasa, fuego? Non, 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 mira, mira! Democrática! Democrática! Et moi aussi, je suis pas le dernier à vouloir rigoler avec les autochtones. Les habitants de l'île ont un grand sens de l'hospitalité. Venga! Venga! Diga viva González! Viva González! Coroner González! Ici, le jeu local, c'est le Colin Maillard. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Fuego! Fuego, ça veut dire feu. Exceptionnel, eh bien, bienvenue aux enfants de la fureur avec ce soir des invités exceptionnels parce que nous recevons Cassano. Michel Burnier. Stumi Bugs Bunny. Et l'incroyable Alice Moul. Et on se retrouve tout de suite après les réclames. Oula, la deuxième partie des enfants de la fureur. Avec ce soir, ouais, c'est super. Oh là. C'est la fête, c'est super. C'est la fête. Avec ce soir, Cachalou. Michel Bernier. Stumi Bugs Bunny. Et l'incroyable dinosaure de la télévision, monsieur Pierre Magie de Saragnana. Alors, Ali, ça va, ça se passe bien? Ça va, tout se passe bien pour l'instant. Si, super. Je te remercie, Arthur. Alors, Ali, on a une petite surprise pour toi, parce que nous, aux enfants de la fureur, ouais, on a retrouvé une sorte de bêtisier de tes petites annonces. Ouais, tu veux me faire péter la honte, Arthur? Très en forme, Ali. Alors, justement, ouais, c'est un petit cadeau, c'est pour toi. Regarde. Ok. Bonsoir, si tu es blonde avec une forte poitrine, ça m'intéresserait. Et je... Excuse-moi, Christian, on pourrait la refaire, je me suis fait rire. Je te remercie. Mais bonsoir, si tu es blonde avec une forte poitrine, ça m'intéresserait. Ouais, ce soir, Dieudonné passe à Rouen. Ouais, alors t'appelles le théâtre à 8h15 si tu fais une petite alerte à la bombe. Hein? Je te remercie. On en refait une? Bonjour, nous n'avons pas mangé depuis 150 jours. J'ai très faim. Et nous voudrions manger afin... J'ai très faim. Attends, excuse-moi, coupe. Excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Thomas. Thomas, ok. Thomas, c'est quoi le texte? J'ai faim. Ouais, c'est j'ai faim, pas très faim. Qu'est-ce que tu cherches à faire, là? Tu cherches à faire les petites annonces de Thomas, c'est ça? Attends, avec ta gueule, t'en vendras deux. Christian, est-ce qu'on pourrait en refaire une, comme ça? C'est quoi, ça sent comme ça? Oui, allô, l'association des skinheads de France?
Oui, je voulais vous dire que je chie sur les skinheads. Je répète, je chie sur les skinheads. Bien sûr, je m'appelle Dieudonné, avec un D comme délation. Et je joue ce soir à Rouen. Voilà, je vous attends. Au revoir. Troisième petite cachette des annonces d'Éric. Super Éric. Ça roule. T'as vu le carton là, c'est super. C'est super, c'est super. Troisième cassette. J'aimerais bien faire un spectacle avec lui. Hein. Ah, bah écoute. C'est intéressant, Michel. Je ferais bien aussi un duo sans toi. C'est encore une vanne. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis, de toute façon, Elephant Woman, je compte pas l'écrire tout de suite. Tu vois ce que je veux dire. Ça casse dur, troisième petite cassette. Alors, je te mets Bugs Bunny, ça va? B-N-J-O-U-R-E, bonjour. C'est le carton. Alors, je te mets, ça chocolat, fait... Chocolat. Alors, je te mets, ça fait super plaisir de te recevoir aux Enfants de la Fureur. Oui. Parce que je crois que t'as vendu 600 000 albums. Mais attends, on s'en fout des chiffres. Je veux dire, moi, je suis l'ange déchu qui fait chavirer les cerises avec leur champagne et leur cholestérol. Je suis pas commercial. Ouais, super. Ouais. C'est 650 000 albums. Ah, excuse-moi, je suis désolé. Alors, Stumi, tu peux nous parler un petit peu de ton prochain single, de quoi ça parle? J'ai écrit une chanson pour les souris et les cochons d'Inde dans les laboratoires. Super. Ah oui. Peut-être ça fait écoute ça. On va foutre le dawa. Et toutes les scarlettes, écoute ça, ça fait. Hey, hey, ça fait mon papa à moi est un hamster. Mon papa à moi est un hamster. Ah ouais. Ça met le feu là. Attends, faut pas rigoler avec les animaux. Non. Ah bon? Tu vois, parce que dans la mythologie grecque, quand Ulysse 31 il dit à Nono le petit robot. c'est quand Ricazara il a dit à Calimero. Attends, je m'embrouille. C'est pas clair là. Excuse-moi. Je te jure. Stamina, t'as été scolarisé ou? Attends. Attends, bien sûr que j'ai eu la scoliose. C'est bien ce que je pensais, ouais. Parce que j'ai l'impression que t'as du mal à faire des phrases. Tu sais, sujet, verbe, complément, tu connais. Par contre, à toi, je vais te faire du mal. Ah oui? Attends, ça m'intéresserait de voir ça. Non, chez Chicon, là. Attends. Tu sais, tu m'en as fait. Attends. Oui, Michel, mais le garçon, si vous parlez comme un garçon, nous on va se tripoter le gazon, hein. C'est rigolo, oui, ça, Michel. Tout ton spectacle est comme ça, non? Comme disait Verlaine, tu sens mauvais, toi. Et comme disait ta mère, c'est pas grâce à ton cul que tu vas y arriver. Tu vois. 45e annonce d'Eli, mais attends, comme il disait le Perchon, t'es comme les furons, t'es petit, vilain et méchant, toi. Super. Attendez, je crois qu'il y a un problème. Cachalou, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air de réfléchir, ça te ressemble pas. Hey, je vais dire, Cachalou, tu l'invites à un enterrement. Si tu réchantes, elle se met à danser. Cachalou, imagine le monde à l'envers. Tu travailles, t'es moche et intelligent. Hey, Cachalou, pour mon prochain clip, cherche une bonne danseuse, t'as pas une copine. J'ai deux petites choses à vous dire. Hein? Primo, j'ai une agrégation de philo, moi. Alors ça va, vos colibets, hein? Oula, mais qu'est-ce qui se passe, Cachalou? Dozio, je ne m'appelle pas Cachalou, mais Hippopotamou. C'est tout aussi cool, hein? C'était nul, pardon. C'est un nom de chèvre. Mais c'est... Bah, Hippopotamou. Mais c'est bon. On fout le dawa. Je vais le faire
conservatoire, moi, monsieur. Oui, le conservatoire. Oui, parfaitement. Moi, je n'ai pas entendu, jeune fille. Je suis comédienne, monsieur. J'ai fait le conservatoire. Oui, comme femme de ménage, non? Comme femme de ménage, bien. Ça casse dur. T'aurais dû faire comique plutôt qu'animateur. T'as tué. Attends, j'ai mieux. Tu te crois belle? C'est bien, ça. Non, c'est bien, non. Bon, il est très important pour moi d'arriver le premier au travail, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Mireille, vous allez bien? Merci. Ma mère vient de mourir. Oh, moi c'est pareil, 2 heures dans les bouchons, j'ai très très mal à la tête. Mireille, j'ai une réunion à 5 heures, donc si on m'appelle, je suis mort. Bonjour. Non, s'il vous plaît, j'ai très mal à la tête. Votre aspirine? Non, mais vraiment, j'ai très très mal à la tête. Oui. Je peux vous voir pour ma mutation? Oui, venez me voir plus tard. C'est bon. Ah, oh, oui. Ma mère est morte. Oh, c'est magnifique là-bas. C'est très joli. Moi, j'y suis allé il y a 2 ans. C'est pour se baigner. C'est un petit peu salé. Alors moi, je fais un métier passionnant. Je suis, pour l'instant, sous-directeur des relations humaines. Directeur des relations au regroupement... au regroupement des services... Mireille, je suis quoi, moi, exactement? Je travaille pour le directeur des ressources humaines. Non, je suis au regroupement. Bertrand? Oui, je suis quoi, exactement? Une grosse salope! Ça fait 5 ans que j'ai fait ma demande de mutation pour Limoges. Ça fait 3 ans qu'elle a été acceptée. Il ne manque plus que la signature du sous-directeur et je serai libre. Voilà. Écoutez, vous me mettez quand même dans une situation très difficile. Ah bah, c'est une grave décision. Bon, écoutez, je tranche une pizza au gorgonzola pour moi. À la Montinavo. Voilà, bonjour. Oui. Rabot. Je venais vous voir pour un instant. Excusez-moi, on va essayer de faire très très vite parce que j'ai très mal à la tête. Je prends un café, vous en voulez un? Non, moi je... Mireille, 2 cafés s'il vous plaît. Voilà, c'est le sujet de la mutation. Vous savez, je vous en ai parlé parce que je voulais aller... Mireille, annulez les cafés, apportez-moi un verre d'eau. Avec 2 cafés. Bon, voilà. Pour resituer, sans le verre d'eau. Bon, je voulais partir à Limoges, mais j'ai plus de raison. Bien sûr. Parce que ma femme est partie et je n'ai plus de raison de rester ici. Elle est partie comme ça. Mireille, si monsieur Nabo vient me voir, je ne suis pas là parce que je... Il est déjà dans votre bureau. Moche, mais très bon. Ah, dites-moi, merci Marie, dites-moi, il faudrait penser à acheter un cadeau pour le directeur, je sais pas quoi. Ma mère m'avait offert cette chaîne en cadeau. Oh, c'est très beau, merci Mireille, vraiment merci. Arrêtez de faire cette tête-là Mireille, on a l'impression que vous êtes en deuil. Ah, mon petit Nabo, j'ai décidé de vous faire plaisir, je vous accorde votre augmentation, voilà. Ah oui, au fait, Mireille m'a dit pour votre maman, je suis désolé, mais mes condoléances. Allez! Transparence, sens du service, responsabilité, Entrez! Excusez-moi, monsieur le directeur, je suis un petit peu en retard. Bon, je reprends. Convivialité, rapidité, tranche de pâté maïté. Bon, Berthier, nous vous attendions au sujet de votre rapport sur le plan de la restructuration, Berthier. Ah, je l'ai oublié, je suis... Mireille, est-ce que vous pouvez m'apporter mon plan sur... votre paquet de cigarettes, Berthier. Ah, mais excusez-moi, c'est parce que moi, j'ai très mal à la tête, donc je vais le chercher. Non, parce que j'ai l'oublié. Non, mais... On est enfermé. Berthier, faut appuyer sur le poignet. Excusez-moi, c'est parce que je... Mais ça... Allez les amoureux, faut travailler là. Qu'est-ce que j'ai que ça, Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui,
mais j'ai très 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 mal à la tête. Salut, dans Femme 2 aujourd'hui, il y aura plein de vous mecs que vous n'arriverez jamais à vous faire. Mais surtout, on va retrouver les deux grands gagnants du jeu concours Femme 2. Vanessa Dermenonville qui a passé une journée avec Patrick Fiori. La salope. Et Olivier de Besançon qui a gagné une journée avec Ophélie Winter. Le chanceux. Une journée dont ils se souviendront. Jamais. Tout d'abord, c'est le trac pour Vanessa, car aujourd'hui, elle réalise son rêve. Oh là là, j'ai le trac parce qu'aujourd'hui, je réalise mon rêve. Car Vanessa va rencontrer son idole, Patrick Fiori, qui sort son album « Je m'aime à la furie ». Aujourd'hui, je vais rencontrer mon idole, Patrick Fiori, qui sort son album « Je m'aime à la foirie ». Le problème, c'est qu'elle répète tout ce qu'on lui dit. Le problème, c'est que je répète tout ce qu'on me dit, quoi. Je m'appelle Olivier, je suis fan d'Ophélie Winter. Je trouve que c'est la plus belle des chanteuses à visage. Et je suis sûr que, bien maquillée, elle doit savoir vachement bien faire les patates. Patrick Fiori, après Notre-Dame de Paris, nous confie spécialement pour nous les filles qu'on n'a pas besoin de s'épiler les poils de partout, son nouvel album. Et en plus, il fait sa promo, c'est génial! Ma foi, j'ai un très grand respect pour les femmes. Ce sont des gens modestes et purs. Et je comprends leur amour. Car moi aussi, longtemps, j'ai été fan de moi. Pardon. Je m'écoute ? Je t'aime ! Sont des millions à souffrir. Chaque jour, ils se font détruire, humilier, et il y en a même qui leur font pipi dessus. Mal au mur, une poussure à mur qui picore du pain dur, ça fait mal au mur. Mal au mur. Ça fait mal au mur. Ça fait mal au mur. Ophélie arrive sur les lieux en marchant. C'est vrai que pour les jeunes, je suis plutôt intouchable, implotable. Enfin, si je peux donner un petit peu de joie à ça. Salut, Olivier. Ouais, Olivier, c'est gros. Bonjour, Ophélie. Ouais, t'emballe pas. Ouf. Pour toi, Ophélie, je vais faire un collier avec des vraies pommes de pain. Ouais, t'aurais pas dû. Ouais. Tu sais ce que je vais faire Non. Ouais. Olivier. Ouais, c'est ça, Olivier. Ce collier, ce soir, avant de monter sur scène, je vais le mettre. Ah, la poubelle, il est trop naze. Tu me suis ? Elle a du caractère, Ophélie. Yeah, oh, voilà. Oh, ah. Dans tout ça. Yeah, yeah, wow. C'est un avastor pour figurer en maladie. En spécial détergent desktop. Yeah, 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 quoi. C'est un fond qui m'y a sans finir, une vaseline. T'as qu'à lécher les yaourts. Pourquoi tu ne me comprends pas? Quoi? C'est sa chaise! C'est son slip! Je trouve pas que vraiment j'ai un joli niveau. Je trouve que je pousse vraiment lui, hein. Vanessa. Il est vachement plus beau qu'à la télé! Oh, je t'aime! Mais enfin, Patrick, c'est moi! Mais non, mais Patrick qui? Bah, ton chanteur préféré, ma foi. Alors là, ça m'étonnerait parce que mon chanteur préféré, c'est Sting. Mais enfin, donc, tu me reconnais pas, donc? Ah non, non. Mais regarde, malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent. Alors là, tu limites mal. Tu es vraiment con, hein. Patrick essaya toutes les astuces pour que Vanessa reconnaisse son idole. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, mademoiselle. Sur un mur qui picore du pain dur, ça fait mal au mur. Ça fait mal aux oreilles aussi. Hein. Et c'est au bout d'un quart d'heure que Patrick eut la merveilleuse idée de montrer sa carte d'identité à Vanessa qui le reconnut. Patrick Fiori ! Pendant un moment, j'ai cru que c'était une petite plaisanterie. Bon, c'est nous, c'est ça. Ouais. Ouais, parce que je sais pourquoi t'es là. Ouh. Et moi aussi. Alors, on va la jouer carte sur table. Ouais, des cartes. D'accord. Après l'émission, on va à la maison. Après, ouais. Ouais, on boit un verre. Ouais, il y a un verre, ouais. Ouais. Et on fait l'amour. Ouh, je dis pas non. D'accord, mais dans ce cas-là, je te rappelle, Claude. Ouh, c'est cool, François. Patrick et Vanessa sont maintenant au studio d'enregistrement. Patrick lui montre tous les boutons. T'en as un là. Ah, d'accord. T'en as un là. Ah, oui. Et un gros ici. Ah, oui.
il va lui livrer tous ses secrets. Tu vois, Vanessa, ouais. Quand je chante, ouais. Je parle dans ce micro. Oh, il est fort. Tu vois, Vanessa, ouais. Quand j'écris, je prends ce stylo. Oh. Tu vois, Vanessa, ouais. Quand je m'essuie, ouais. Je prends ce rouleau. Ophélie, ouais. C'est quoi ton genre de garçon? Les grands blonds qui posent pas de questions. Quoi. Et si par exemple, comme ça, un petit brin vachement rigolo, ouais. Il veut sortir avec toi? Ben, pourquoi pas, si c'est un grand blond qui pose pas de questions. Bon, écoute... Olivier. Ouais, machin. Oui. C'est pas que je m'emmerde, mais je me fais chier. Oui. Alors on va faire un jeu. Oui. Toi, tu vas par là, et oui. Moi, j'y vais pas. Ouf. Bon, et puis si tu veux venir à un de mes concerts, oui. Ouais, change de fringue. Oui. De gueule aussi. Voici venu le temps de revoir. Un café sucrète. Dis-moi quand est-ce qu'on se revoit. Mais c'est quand tu veux. Maintenant. Non, ça va pas être possible, Vanessa, ça maintenant. Écoute, je vais te faire un beau cadeau, une belle proposition. Tu sais, j'ai une belle maison en Corse. Oh. Avec une grande piscine. Oh. Alors voilà, je t'y invite. Oh, oh, Fanny Winter. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Il n'y a plus que moi qui m'aime, malgré ses grands yeux noirs. Voilà, c'était Fan 2 spécial Patrick Fury et Ophélie Winter. J'espère que vous avez enregistré parce que moi j'ai le magnéto en panne. Oh là là, galère! Ils nous ont fait vibrer toute l'année et c'est eux qu'on préfère le mieux. Nous les filles, qu'on n'a pas encore de sein. 1, 2, 3, 4, 5, soleil! Travail? Non, c'est un fax vidéo ordinateur. Le gros, le petit. Bien. Non, le petit, le gros. Bien. Dans la suite de l'hôtel Fernandez à Miami Sleep, il y a une série de meurtres et des vols de tableaux. Vous allez rencontrer le réceptionniste. Il vous donnera les informations. Mais pas la météo. Ok? Vous le reconnaîtrez facilement, il a un grain de maïs sur le front. Ok? Et surtout, faites confiance à tout le monde. Le petit, le gros. Ah, messieurs, bonjour. Bonjour, inspecteur bonjour. Le petit, le gros. Ah oui, d'accord, oui, le... Non, non, le petit, le gros. D'accord. Bon, est-ce qu'en ce moment, il y a des tableaux de valeur dans l'hôtel? Oui, et est-ce qu'en ce moment, ta sœur fait du pédalo? Il y a marqué renseignement ici? Je joue pas au con avec lui, il est médaillé olympique. Ouais. Vous voulez me faire chanter, c'est ça? Non, ça on sait. Besoin de rien. Envie de toi, comme jamais envie de personne. Non mais alors là vous m'impressionnez pas du tout, mais alors pas du tout. Ça te plairait qu'on dise à tout le monde qu'avant de te coucher, tu sens tes chaussettes? Et que t'oublies de te laver les mains après avoir fait pipi? Alors là, vraiment vous êtes vraiment des pourris. Ok, le tableau est dans la chambre de la comtesse qui est là. Chambre 7. Ok. Si. Moins 2. Plus 4. Multiplié par 5. Oh merde! Chambre 7. Tu as voulu me doubler, espèce de chiennasse! Mais maintenant, le tableau m'appartient. Tiens, prends-en. Ah, je meurs! Oh, le gag du meurtre à la télé qu'on entend à travers la porte, c'est nul! Ah, tu m'étonnes! Je sais pas quoi. On peut dire que je l'ai fait toute tempête. Le petit, le gros. Oh. Oh. Oui. Allez. Oh, attends, reste un peu. Mais non, on se tire. Allez. Voilà, ils sont morts, allez. T'es à toi pour mettre l'ambiance, alors. Le petit, le gros. À mon avis, il a dit la 6. Ouais, mais c'est pas la bonne. La bonne, c'est moi. Écoutez-moi bien, Placide et Museau. Non, Museau et Placide. Ta gueule.
Bien. Un tableau a été commis et un meurtre a été volé. Nous connaissons le coupable. C'est le groom. Vous le reconnaîtrez facilement. Il a une betterave sur le front. Non, c'est un minet. Dans le milieu, on l'appelle le gros minet. Putain, il a avalé un clown, lui, hein. Tiens, voilà son nez. Joli. Moi, ouais, j'aime bien. Bien, la transaction aura lieu dans la chambre 7, chez la baronne de Kiela. Le petit, le gros, gros. Votre mot de passe? J'ai des hémorroïdes. Pardon? J'ai des hémorroïdes. Jouis pas. J'ai des hémorroïdes. Ah. Oui, je sais, c'est con, mais en fait, je suis un espion, et en fait, c'est un nom de passe qui est un peu bon, bizarre. Bon, les spirou abrègent, hein, t'es lourd, là. Alors, vous l'avez? Tous les matins. Moi, j'osais. Le monde est petit. C'est étrange. Dis contre un que gros mini va lui bouffer le titi. Ça, c'est sûr. C'est qui, Titi? Non, mais le tableau, vous l'avez? L'argent d'abord et Fräulein. Vous êtes vénard. Appelle-moi Baba Jouz. Appelle-moi Casimir. Alors... Personne ne bouge. J'ai pas dit, Jacques a dit. Tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Alors finalement, flic, c'est toujours le même texte. Et les mêmes coups. Allez, mets les menottes. Mais pas moi, Ruff. Pauvre débile. Tu veux me flinguer, c'est ça? Tu peux me flinguer? Alors fais-le vite, très très vite, mais je pense que tu n'es pas suffisamment burné. Moi pas burné? Moi, je suis complètement fou, moi. C'est à moi. Je préfère chez toi, hein? C'est moi. Ça va, t'as compris là? Ben non. Bon, ben ça roule, allez. Le petit, le gros. Je crois qu'on peut tirer des conclusions de ce qu'on vient de voir. Alors, premièrement, vous ne devez pas fouiller les gens de la cité, vous n'êtes pas des fouilleurs. Ouais. Deuxièmement, vous ne devez pas insulter les gens de la cité, vous n'êtes pas des insulteurs. Ouais. Et quatrièmement, vous devez pas frapper les gens de la cité. Vous n'êtes pas des policiers. Et troisièmement. Troisièmement, je vous le répète, vous êtes des médiateurs. Je savais. Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité intrinsèque au sein de la cité. Vous n'êtes pas des hommes de main. Vous êtes des hommes d'aujourd'hui. Notre rôle, en fait, est d'assurer la sécurité intrinsèque au sein de la cité, quoi. Si, c'est ça. Vous êtes des... Notre rôle, en fait, est d'assurer la sécurité des raisins secs. Oh. Vas-y, tu me souffles des conneries aussi, là. Vous êtes des... délinquants. Bon, les gars, il y a deux talkie-walkie. Un pour moi, un pour vous. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas. Ouais. L'esprit de groupe avant tout. Allez, on y va, les gars. Pourquoi il aurait dû plus à toi? Il a dit à moi, toi qui t'oublie, il a dit. Non, il n'a pas de quoi, t'as déjà un tatou, toi, alors. Mais déjà, il est pas à moi, il est à ma soeur. Ah bah alors, on fait moitié-moitié, alors. Ça, les gars, là. Ça, je trompe. Tranquille, ça, je trompe. C'est vrai que le médiateur a un rôle prépondérant dans la cité, hein. Et d'ailleurs, nous, dans la cité, on est passé de 35 agressions par mois à 14 par lui. 15. Sérieux là, faut bouger là, faut aller chercher du travail maintenant, il y a le médiateur là. Mais arrête de nous saouler, il n'y a pas de travail. Mais quoi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais il n'y a pas de travail, tu veux que je te dise, moi, tu peux en trouver du travail. Ouais, vas-y, tu veux. Tu veux que je te dise? Ouais, vas-y, dis-le. Tu veux que je te dise? Ouais, bah dis-le. Alors. Tellement je t'aime, à la police, tellement je t'aime. Excuse-moi. Je peux savoir ce que tu fais là? Je marche par terre là. Ouais, tu marches par terre. Voilà. Attends, est-ce que tu crois que c'est sérieux d'être dans un endroit pareil pour une fille de ton anatomie? Attends, sérieux là, lâche-moi là, parce que je sens que tu vas me prendre la tête là, je rentre du chômage fatigué. Attends, là. J'ai pas envie de te squatter la tronche. Tu sais, il se passe des choses ici. Ici, c'est dangereux. Si parfois le soir ici, il pleut. Attends, mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu me donnes des leçons de conduite? Attends. Là, t'as même pas ton permis là, arrête là. Attends. Y'a même pas deux mois, t'as essayé de me rouler des pelles avec tes potes dans les escaliers. N'importe là. Quoi, j'ai jamais voulu faire ça. Arrête, sérieux là, tu me casses les ovaires là. Attends, si tu vois, est-ce que tu t'es entendu parler? Ah, j'ai tes oreilles. Tu t'es entendu parler? Ouais. Tu n'es absolument pas féminine. Ah. Monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Oui, ça va, oui. Dites-moi, Pichon, où sont les caméras?
Bonjour, comment allez-vous? Pas féminine, ça? Non. Ah, c'est les ovaires, lui. Pourquoi t'as volé la mobylette, là? Faut pas voler, après tu seras un voleur. N'importe quoi, c'est ma mule. Attends, en plus, tu voles ta mobylette, t'as même pas le respect de toi-même. Excusez-moi, je suis le maire de la commune, bonjour. Alors, jeune homme, pourquoi est-ce que vous volez cette mobylette? Mais c'est pas moi, monsieur le père, là. J'ai pas de... c'est lui qui a oui. Oui, la mule, j'ai bien compris. Oui. Vous savez que vous faites le plus beau métier du monde, vous savez ça. Médiateur. Je suis pas radiateur, moi, monsieur, c'est lui, hein, qui... Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Écoutez, jeune homme, je sais pourquoi vous faites ça. Vous volez parce que vous n'avez pas de travail. Mais... Et si vous... Mais non, dis donc. C'est lui, là. Mais, écoutez, je peux vous dire que si ce jeune vole, c'est parce qu'il n'a pas de travail. Eh bien, moi, je m'engage à lui trouver du travail, ainsi que vous tous. Je peux vous dire que tous ceux qui veulent un emploi auront tous un poste de médiateur. Merci. Voilà, on est tous devenus médiateurs. Alors du coup, on est tous les uns sur les autres. On glande, on se frite, on casse des vitrines. Mais il paraît que ça va s'arranger. La mairie a créé un nouveau poste. Les médiateurs de médiateurs. Et je crois qu'on va tous s'y inscrire. Non, non, non. Voilà.